Donc, par un matin de Pâques, le gouverneur se rend avec sa famille à l'église. De l'entrée du palais, sort un flot de mendiants et de solliciteurs. Oh mon Dieu, les gueux. Derrière, deux hommes en armes. Deux hommes en armes. Ah oui. Grâce, votre grâce, les impôts sont exorbitants. Mon frère est innocent, votre grâce, je le vois mourir de faim, c'est un malentendu. Arrière, dégagez le porche de l'église. On entend un commandement. Un cavalier couvert de poussière, avec un galop, étend au gouverneur un étui plein de documents. Ah, que se passe-t-il ici? Écarte ta pique, chien! Désarmez-le! Ne voyez pas que c'est un attentat contre le gouverneur? Bon, ils ne font rien aux petits, j'ai un frère chez les hommes d'armes. Tous dans le troisième coup, tout le monde est le bagage. Rougeard, te voilà, que vas-tu faire? Rien, en cas de besoin j'ai un frère qui a une ferme dans la montagne, mais toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Moi, rien. L'enfant, mais qu'est-ce que tu fais avec? Bah, il est resté là. Mais pose-le là! C'est mieux ne pas penser à ce qui arriverait à celle qu'on trouverait avec l'enfant. Elle a raison. Quand c'est là s'y mettent, ils se massacrent par familles entières. Oh, moi, je vais chercher mon fourbillon. Mais tu n'as pas entendu? Pose-le là! Oh, bien que ça fait trousse qu'aux trousses de la femme, il est l'héritier. Dans le crépuscule, se dresse la passerelle qui mène sur les glaciers. Comme un câble est cassé, elle pend à demi dans le précipice. Devant la passerelle, des marchands indécis se tiennent, tandis que Grouchard arrive avec l'enfant. Cependant, un des marchands essaye de repêcher le câble avec une perche. Frère. Hey, il faut, ça veut dire quoi, il faut. Madame, il faut que j'aille à Toum, il faut que j'aille deux tapis, il faut qu'une autre les vende parce qu'il a fallu que son mari meure. Est-ce que je peux faire ce qu'il le faut, est-ce qu'elle le peut, hein? Il faut. Hey, André, il cherche depuis 2 heures à repêcher le câble. Et gros, même si t'y arrives, comment on va passer de l'autre côté, je me le demande. Tais-toi, je crois que j'entends quelque chose. Pucelle. Mais la passerelle n'est pas entièrement pourrie, je pourrais essayer de passer de l'autre côté. Rousha, d'où arrives-tu? J'ai franchi le glacier du Yongatao. Et le gouverneur a été tué. Mais il y a eu des troubles, tu te rappelles, Aniko? Je vois un bonnet là dans l'herbe. Un petit est peut-être déjà là. Oui, il est déjà là, comment pourrais-je le cacher? Mais ne va pas te tracasser pour rien, ce n'est pas le mien. On dit quand le vent se met à souffler, il souffle par chaque fente. C'est ton enfant? Oui. Simon! J'ai ordre d'escorter cet enfant à la capitale, vu qu'il y a présomption qu'il s'agit de Michel Abashvili, fils du défunt gouverneur Georgi Abashvili et Donatella Abashvili. Non, monsieur le soldat, ne l'emmenez pas! Voici le papier avec les sceaux officiels. Mais ne l'emmenez pas, c'est le mien! C'est le mien! À qui sera donné le cas? À qui donnera ton enfant? Qui sera le juge? Un bon? Un mauvais? La ville brûlait au fauteuil du juge. Asta! Écoutez maintenant l'histoire du juge. Comment il devint juge? Comment il rendait ses arrêts? La sorte de juge qu'il est.